Mais tu dis des sottises. J'ai pas filé en catimini pour venir manger ici. Oh, vrai. Oui, vrai de vrai. Et je suis là pour vérifier si la cuisine est bien en ordre. Et il me semble que oui, donc tu peux revenir au magasin. Je suis obligée de rester un peu ici. Il faut surveiller le standard. Parfait. Alors tu viens, on va le surveiller tous les deux. Mais le magasin ne peut pas rester à l'abandon. Merci, Val est tout à fait capable de s'en occuper. Suis-moi, veux-tu? D'accord, je viens, je viens. Je t'assure que tu devrais téléphoner à l'université pour avoir des nouvelles de ton mari. Ah non, maman, je refuse de téléphoner la première. Que tu me forces à jouer, on ne peut pas te faire confiance. Si on peut me faire confiance, je t'ai dit que je ferai un régime et je le fais. J'aimerais pouvoir te croire. Mais c'est pour ton seul bien que je vis ainsi. Le problème, c'est que ta cousine Myriam doit arriver ici dans 2 semaines et que je sais à quel point tu seras gênée qu'elle te voit dans cette... Oh, lui dis pas une chose pareille. D'accord, je me vais. Mais tu sais comment elle est. Elle est si fière de sa silhouette sans défaut, si élancée, si... Parfaite. Oui, oui, je sais. J'aurais bien ne pas la revoir. Je ne l'ai pas vue depuis 10 ans et elle ne me manque pas le moins du monde. Tu penses pas ce que tu dis? Je t'assure que si. Tu as tout simplement trop de poids et ça t'embarrasse de te montrer devant elle. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Oui. Et alors débrouille-toi pour maigrir. Mais je sais. J'entends presque d'inanition. Je t'ai dit que je mangerai pas et je mange pas. Tu le promets? Oui, je te le promets. C'est d'accord, je te fais confiance. D'accord. Je m'excuse de ne pas t'avoir cru. Je t'en veux pas. J'en pars au magasin. Qu'est-ce